Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de Dead in Vinland. Allez hop, on est jour quoi, 60? 61 pour être précis. On a 9 personnages. Et puis on n'était pas trop mal, hein, très honnêtement, ça marchait plutôt bien. C'est juste qu'on n'avançait pas dans la quête pour cette histoire de doigts de... De doigts de Bjorn, voilà. Et bah c'est fâcheux parce que je sais pas comment on débloque, mais c'est pas grave. Bon, on va continuer, on va se débrouiller. Donc on avait construit quoi? On avait construit des doubles pieux ici et ici pour soigner mieux. On avait encore rien fait avec Mademoiselle, qu'on a recruté il y a peu. Et d'ailleurs on va finir la journée telle quelle. On va commencer cet épisode par une fin de journée. Donc on a recruté une... Une espèce de samouraï. Lune haute ce soir, bonne lune, lune de loup. Lune de loup, c'est quoi ça encore? Lune de loup, Kari vient, Shano montre. Kari et Shano se glissent hors du camp pendant la nuit et atteignent une clairière dans la forêt. Voilà maintenant loup. Aouh! Sans prévenir, Shano se déshabille et commence à hurler à la lune. Kari, stupéfaite, la regarde danser autour de la clairière comme si elle avait perdu la raison, hurlant, sautant et riant. « Viens, Kari, lune de loup !»« Jamais de la vie, ça a l'air marrant !» Kari rougit puis retire ses vêtements avant de suivre Shano dans une danse endiablée. Après un certain temps, les deux apprentis loups finissent par se jeter au sol épuisé. J'imagine que le moral va être... Voilà. Sont donc mortes de rire. Kari a peau comme lait. Hihihi. Kari rougit et ne peut s'empêcher de penser au corps musclé de Shano. C'est pas exactement ça que je voulais dénouement. Alors, une taille fine, des jambes et des bras musclés, un fessier arrondi, mais ce qui avait le plus marqué Kari, c'est... Ils sont bien plus gros que les miens. Kari, petite poitrine, mignon. Mais... Ça, c'est une grosse cicatrice, qu'est-ce qui s'est passé? Shano raconte histoire autrefois. Ok. Bah, très bien. Bon, alors du coup, par contre, elles sont crevées. Mais comme elles font nimp depuis un moment ensemble, autant que les copines continuent à faire nimp, ça nous permet au moins de maintenir leur morale au top. À défaut de maintenir leur forme au top. Alors, eh bah oui, il y a à bouffer. Par contre, là, là on est plutôt tôt, très très bien. Qu'est-ce qu'on va bouffer? On va commencer par les trucs 2 étoiles, toujours parce que les 3 étoiles vont être transformées en 2 étoiles avant de pourrir. Et donc, on a tout intérêt à faire ça dans ce sens-là. On va compléter avec un fruit. Ouais, niveau bouffe, on est vraiment vraiment large. Mais, bordel, c'est ouf ça. Ok, ensuite, comme ça, ok, parfait, parfait, donc là on a 6 trucs, zéro, ensuite, 20 à 30, hein, de... c'est quand même super efficace comme truc, hein. On va quand même taper dans la biloche crue avant. Toute autre chose. Voilà, on va terminer le repas avec un peu de fruits. Voilà. Faut pas dire que le peuple a faim là. Alors la maladie pour lui, c'est pas ouf. Il va falloir qu'on s'en occupe. Il faut qu'on s'occupe de la maladie et des blessures de tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai développé, comme vous avez remarqué, tous les bâtiments nécessaires. Ouais, elle est là. Où est le broncheur ? La vache. «
Moins 25 pour tout le monde, c'est pas mal, le feu a pris cher, on a perdu pas mal de bouffe. Ouais, bon, ça va, c'est pas non plus dramatique, on va dire. Il fait beau. Ah non, il fait plus que beau, il fait sec. Alors, comment ça va évoluer? Le jardin. Le jardin, déjà, il n'y a rien de planté, donc c'est sûr que... Légumes, blé... Chambre. Bah quoi? Ah, on peut pas, on a pas assez de graines. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Et comment on les a, les graines? Ah bah comme ça. Chez le fleuriste, évidemment. Ici, comment se portent les bestiaux? Les bestiaux se portent plutôt bien. Il va falloir qu'on fasse du blé. Clairement. Alors, toi, tu vas me chercher des graines. Ici, on est en train de construire un camp de bûcheron numéro 2 et ici une potion. Gros con, il est où? Gros con, il va nous aider ici à faire le camp de bûcheron numéro 2 pendant un tour. Ici, fatigue et soin. Alors, fatigue et soin, je veux fatigue, chano. Pour les soins... Je sais pas ce que c'est ça, c'est la maladie ça, non? Ouais. On va peut-être demander à Gros con de venir parce que je crois qu'il était bien blessé. Elle est bien blessée aussi. Enfin, elle est bien malade. Carrie aussi. Bon. On va commencer comme ça. On va faire un focus sur les maladies. On va demander à elle de faire le taf. Voilà. Le gros con, il aide, c'est parfait. Ici, comment ça s'est passé? Alors, on a de la viande séchée. Très bonne nouvelle. On n'a plus de sel? Vraiment? Voilà. Ouais, l'eau, c'est pas terrible. Faudrait que quelqu'un s'en occupe. On va peut-être demander à elle. Ouais, on fouille. C'est pas vraiment son truc, la fouille à elle. Malheureusement. L'exploration non plus, mais je pense qu'elle sera en mesure de terminer l'exploration de la forêt. Ici, on a effectivement rien à faire, on va aller là. Allez, on va faire ça comme ça. Voilà, moins 33, moins 32, parfait. Le bois a pris cher, faut qu'on fasse attention à ça, mais le camp de bûcheron maintenant est développé. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Là on fait des potions qui rajoutent 20 dans toutes les. Enfin qui baissent de 20 toutes les jauges, donc c'est évidemment une super nouvelle. Voilà. Et des graines, parfait. Ici. On arrive à découvrir une nouvelle zone. On va se faire choper parce qu'on n'a pas de furtivité, c'est normal. Donc elle va combattre avec elle. Et Carrie, de toute façon, on va aller. Elles vont passer juste après au soin des blessures, après le soin des maladies. Donc. Alors, on a du berserk et du poivreau d'élite. Attention, ça plaisante pas. Hein. On va essayer de focus le poivreau. Ah! C'était naze. Mais alors bien bien naze, dites-moi. Comment j'ai réussi à faire 1? Je ne comprends pas comment j'ai réussi à faire 1. Bon enfin, c'est pas grave. Ouch. C'est problématique ça. Enfin, c'est problématique non, parce qu'on va remonter au front juste après, donc c'est pas non plus un drame, mais... Alors, qu'est-ce qu'il fait, cette espèce de coup? Dégâts max, initiative et PA. Ouais, ça fait mal au fion. Hein. 60, 55, 55. Ouais, c'est pas si mal.
4, c'est pas mal du tout. Allez. Ah, 3, dommage. Il lui reste un putain de point. Normalement, Kari va jouer avant. Ah non, Kari joue pas avant. Ah. La tuile. Ouais, ça risque de faire mal. On va essayer de les buter. Comment on a réussi à les rater alors qu'on avait 90%? C'est la grande question. Mais c'est comme ça. Ok, donc lui il a fait 1, donc 0 contre elle, parfait. Lui il s'énerve très très fort. Dégâts max plus 4, waouh. Ouais, du coup forcément ça fait mal. De le buter. Ah, on peut pas faire ça depuis là, faut qu'on avance. Ah, fait chier. On va quand même essayer de le buter. Et on le bute. Bonne nouvelle. Ah, il y a toujours plus de PA que nous. Hein. Ok, parfait. Je pense que Kari pourra le tuer. Sans trop de mal. Si c'est pas Kari, ce sera Dame Tomoe. Voilà. Bon, du coup, on a Bloodwet qui est un petit peu blessé, mais bon, c'est pas non plus. C'est pas mal. La récolte a pas été trop trop mauvaise. Alors, qu'est-ce qu'il y a de pété? Une tente de soins. On va corriger ça. Pour le reste, on en est où? On en est là. Des sacs abandonnés. On peut les inspecter. Des sacs accrochés à la branche d'un arbre. Impossible de passer à côté sans les voir. Les a-t-on délibérément laissés ici pour que quelqu'un les trouve? Les sacs sont sales et usés. Maculés de taches non identifiables et une odeur épouvantable s'échappe de l'un d'eux. Que peuvent-ils bien contenir? Fouillez le petit sac. Moira. Vous vous intéressez au plus petit des deux sacs. C'est celui de, comment qui, enfin, c'est celui-là dont provient l'odeur dégueulasse. Ok. On va faire en sorte de ne pas y toucher. Vous ne toucherez sans aucun prétexte. Le gros sac. Intelligence ou construction, on va envoyer l'ami Cissé. Aucune odeur n'en provient. Vous pouvez maintenant fouiller. Alors, il contient tout le nécessaire pour survivre quelques jours. Vous ne pouvez pas espérer meilleure trouvaille. Pas sec. Prendre les matières premières du sac, ouais. Un sac vide peut être utile. Des cordes, du tissu. Très bonne nouvelle. On peut maintenant couper du bois. On va donc demander ça à quelqu'un qui connaît ça. Coupe du bois. Couper encore un peu. Oh, 83%, soyons sérieux. Coupe du bois. Mais... Ce manque de bol me fascine toujours. Hop. Alors ici, il n'y a plus rien qui se fait. Ça c'est cool, hein. Mais genre vraiment. Hmm. 25% de bois récolté. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'abri, également?
La fatigue baisse de 2 à 5 par nuit, de nouveau, encore en plus. Hein. La dépression. Pas mal de choses qui peuvent être faites, hein, c'est plutôt cool. Ça, c'est bien, je trouve. Une parcelle de plus. Ouais. On va faire une parcelle de plus pour notre jardin. Hop. Donc, elle. Il y a des gens qui doivent aller au repos. On a dit que c'était vraiment trop compliqué pour elle. Il y a des gens qui doivent être guéri. Ah, bah on voit qu'il y a notre ami Eric, probablement sa femme aussi. On va se focaliser sur les blessures par contre, parce que là 52 et 41, ça fait beaucoup. C'est pas Carrie, non, c'est... C'est plutôt comme ça qu'on fait. Les réserves d'eau, on verra après. Ici. On va planter du blé. Tomoe. Travail du bois. Carrie à l'exploration. Et je crois que tout le monde... Ouais, tout le monde a ce qu'il faut. C'est parti. C'est pas assez, hein. Va falloir continuer à les soigner. Hein. On est vraiment pris cher. Je pense que faire ça par deux personnages, c'est quand même vraiment, vraiment intéressant. Ok, donc demain, en y mettant deux personnes, normalement, ça ira mieux. Ne pas oublier l'eau, parce qu'on va en avoir besoin. Vraiment limite en eau. La plage s'est fait. Et une confrontation. Et merde. Eh ben on reprend l'équipe gagnante. Carrie. Bah Carrie. Ouais, les flèches dans leur gueule. Abîmer tout le monde déjà, ça me semble être une bonne idée. Ça aurait pu être pire. Il faut absolument que je bouge Moira de là, mais évidemment, ça se fera quand elle pourra jouer. Ah, galère. Un coup de bâton et recule. Et une petite malédiction sur ces deux cons, dont un a résisté. Dommage. Ah, ils sont relous avec leur initiative. C'est-à-dire on n'est pas bon en initiative, je trouve. Oh putain, ce qu'elle prend. Ah! Que c'est pénible. Ouais. Deux de résistance aux dégâts, ça va être relou. Vraiment, vraiment. Ouais, ça fait entre 2 et 2. Ça sert du coup bien à rien. Ça
sert à rien. Bah on va garder nos points pour plus tard. Ici. On l'a raté lui. Ça dit il se déplace quand même et c'est toujours ça de prix. Nous aussi on va se déplacer et garder un point. Ok parfait, cette fois on joue avant lui. On marque. On est mal avec Bloodwood. Très mal. Va falloir que je laisse Kerry en frontline. Ah bah ouais. Elle a été éliminée. Et lui est toujours pas blessé. Là. Bon, ça va. On a encore de l'armure pour l'instant. Ça a été dur. Traumatisme à la tête, elle, hein. Il faut absolument que je la soigne. Elle a pris cher. La pauvre. Maladie, lui, il est quand même pas bien en forme. Ouais. Pas bien en forme du tout. On verra ça après. Donc on va s'occuper du feu et de l'eau. On est 9, autant vous dire qu'il faut un paquet de... Je trouve qu'on n'aura même pas assez d'eau pour tout le monde. Si. Et ça a été juste. Et on termine la journée. Envie de boire un verre avec moi? D'accord. Je prends ça pour un oui. Allez, souris Tomoe, nous sommes aux portes de Hell, mais au moins nous avons de la bière. Bref, là où tu vivais, tu étais une noble ? Noble ? Soupir. On peut dire cela, oui. Fille d'un puissant seigneur, femme d'un seigneur encore plus puissant, mère d'un futur seigneur. Impressionnant. Et comment une femme comme toi a pu se retrouver sur une île comme celle-ci ?
Quelque chose s'est passé, j'ai dû fuir. Le code d'honneur a été brisé. C'est quoi ce code dont tu parles tout le temps? Les roturiers ne peuvent pas comprendre. Si tu prenais le temps de l'expliquer. Excuse-moi, je ne voulais pas être grossière. C'est simplement que seuls les chevaliers suivent le code. Les gens du peuple ne peuvent pas en comprendre le sens. Ils ne le voient que comme un ensemble de règles, alors que ça signifie bien plus. Mais nous pourrions finir cette conversation une autre fois, je suis fatigué. Ok, bon, bah, elle a pas voulu en parler plus que ça. Fatigue pour tout le monde à cause de la sécheresse. Dépression pour tout le monde. Ouais, il faudrait que j'améliore l'abri. Ce serait pas du luxe. Enfin, améliorer l'abri, c'est pas la priorité. Hein. Ma priorité, ce serait toujours de commencer à pouvoir faire quelque chose avec Xena. Enfin, je l'appelle Xena, mais elle s'appelle pas Xena, mais vous comprenez de qui je parle. La nourriture. Qui a faim? Elle a faim. La famille d'abord, bien sûr. Les autres, ça vient après. C'est qui veut un poisson? Trop con, tu veux un poisson? Voilà. Ça, on va conserver. Entre 16 et 20. Ça, éventuellement, on peut le donner à quelqu'un qui a des problèmes de morale. Ouais, voilà. Après, ce qui est ennuyeux, c'est qu'il va falloir... Non, c'est gâché, c'est putain de gâché. On va laisser tomber comme ça, c'est bien suffisant. J'ai des trucs dégueux un peu. C'est pas gênant. Allez. Empoisonnée, elle? Qu'est-ce qu'elle a foutu, putain? Vraiment. Allez, un jour normal. Ah, bah voilà, ça j'aime bien. Ça. Excellent. Bon, bah par contre, il n'y a plus rien, mais il va falloir qu'on arrange ça. Vraiment. Alors, juste avant que Elof ne se pointe, on va extraire de nouveau quelques pierres. Il va nous falloir quelques fruits également. Entre 5 et 11 fruits, comment ils vont les bestiaux? Les bestiaux, ils vont pas mal. On va demander à Moira de s'en occuper. Ça va comment, ça? Ça va pas mal du tout. Mais je crois qu'on a plus ce qu'il faut pour les nourrir. Hein. Ouais. On n'a pas grand-chose pour les nourrir. Donc toi, tu ramènes de l'eau. Ça se fait qu'il est si malade que ça, Eric. Vraiment. Je vais faire pas de focalisation pour voir. Donc là, on va pas construire. Faut qu'on refasse des flèches. On est en dèche de flèches. C'est ennuyeux. Ouais, je pense qu'on peut faire un truc comme ça. Allez, c'est parti. Moins 10 de blessure. Moins 12 de blessure. Moins 11 de maladie. Moins 11 de maladie. Ah, c'est pas mal, mais c'est pas non plus
complètement ouf. On va payer le tribut de pierre. Oh, du lait. Cool. L'horrible son des sabots de la mule d'Elof arrive. Eh oui, leur voilà. Bonjour mes petits porcelets, c'est l'heure du tribut, remettez vos précieuses ressources à l'oncle Elof. On va lui donner 25 pierres à Elof. Prends ça, il y a un petit supplément rien que pour toi, beau gosse. Eh, vous avez compris comment ça fonctionnait ici, parfait. Merci pour votre temps, ça a été un vrai plaisir, mes petits poussins. Prochain tribut, 40 cordes. Eh ben putain, on n'est pas sorti de l'auberge. 40 cordes, c'est quand même beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Enfin, c'est comme ça. Au niveau des primes, il y a ça. Pour nous faire des flèches, bah du coup, il y a gros con. Ouais. Tu peux nous faire des flèches, gros con? Hop. 10 flèches déjà, c'est bien. C'est pas la peine non plus d'en faire des millions. Ici, on va pouvoir mettre à sécher quelques fruits. Voilà. On nous dit quoi là? Ah, on nous dit qu'elle ne peut pas chasser, elle. Bah oui, oui, je savais, ouais. Je savais qu'elle ne peut pas chasser. Ouais, elle va nous rapporter des trucs, ce sera très très bien. Bah, je crois que ça va être tout. Faire ça comme ça. Allez hop, c'est parti. Voilà, on arrive enfin. Maladie chronique et empoisonnée supprimée, bien joué. Très bien joué. 56 de dépression et moins 27. Parfait. Bon, elles sont bourrées, mais c'est pas grave. Voilà, des flèches pour la chasse. Quelques fruits pour ce soir. Bon. On s'est pas fait choper, mais bon, en même temps, on n'a rien perdu. L'un dans l'autre. C'était pas si mal. Ici, on va récolter du blé, au fait. Voilà. Chasser ici, j'en vois pas l'intérêt pour l'instant. Ici, il y a du sel. Ici, il y a Loki. Ici, il y a gros con. Ça, c'est la porte de la mort. Et puis, elle, qu'on a toujours pas... On a toujours pas ce qu'il faut, quoi. Et qu'on aura peut-être jamais, parce qu'on sait pas où c'est. Ah là là. Shallow, j'ai trouvé une grotte super lugubre pas loin du camp.
Tu veux qu'on y aille? Grotte, lugubre. Bien sûr, Kari et Shano vont. Kari et Shano se glissèrent hors du camp et atteignirent une grotte sombre éclairée par la seule lumière lunaire. Trop cool! Tu crois que c'est la tanière d'un ours? Shano va chercher empreinte. Les deux jeunes femmes continuèrent à parler et rire pendant quelques temps. Ensuite, elles allumèrent un feu dans la grotte pour se réchauffer. Tu ne m'as jamais raconté pour ta cicatrice. Chituasque donnait coup de couteau à Shano pendant nuit de noces. Waouh, vous avez vraiment d'étranges traditions par chez toi. Pas tradition. Tradition, c'est homme va dans le lit avec femme. Mais Shano voulait pas. Chituasque se mettre en colère, Shano se mettre en colère aussi. Attaquer, esquiver, tuer. Je ne savais pas. Affuie loin, caché comme corbeau dans la nuit. Pas avoir visage triste, bébé chat. Shano vivante et Kari amie. Regarde quoi Shano a pris au camp. De la bière, mais tu es folle. Veux essayer? Oh, bah de toute façon... Allez. On n'est pas à ça près. Shano et Kari partagent une bouteille de bière. Bah, elles ont plus faim. Bien. Elles sont bourrées, ça tombe moins bien. Maintenant qu'elle a ouvert son cœur à Kari, Shano se sent plus légère. Toutes ses tensions ont disparu, elle perd en dépression, c'est parfait. Elles font des blagues idiotes, rient, se roulent par terre, leur vision se trouble. Alors que Shano tend maladroitement le bras pour prendre la bouteille, elle se pose sur celle de Kari, elle la laisse quelques instants, l'esprit embrumé. Elles se rapprochent l'une de l'autre, leurs jambes s'entremêlent. Oula. Elles touchent chacune le corps de l'autre, c'est agréable, elles se sentent seules, heureuses, reliées. Alors, tout naturellement, doucement, alors que Shano tentait d'attraper la bouteille que Kari cachait derrière son dos, leurs lèvres s'effleurèrent. Ouais, c'est plus que Ami, là, pour le coup. Elles se figèrent, bouche contre bouche, à s'interroger sur ce qui venait d'arriver. Le temps semblait suspendu. D'instinct, Shano embrassa délicatement Kari. Leurs lèvres se séparèrent, elles ouvrirent les yeux et jetèrent un regard pénétrant. La scène ne dura qu'une fraction de seconde, puis Shano se releva avant que Kari n'ait eu le temps de dire quoi que ce soit. Premier au camp à gagner, Kari attrapera Germain Shano. Ok. Bon, ça va un petit peu plus loin que la complicité pour le coup. Ouais, il faut absolument qu'on soigne gros con, il est vraiment malade. Avoir des problèmes. Alors, il nous reste des repas sympathiques. Ça, c'est fait. Un repas de 3 étoiles. 15-25 pour toi. C'est trop puissant, ça. Un petit steak. Un petit steak, un petit fruit. Un steak. Un steak pour gros con. Hop. Deux fruits. Un steak. Ah, on a oublié notre barde. Là, j'ai été un petit peu con parce que en fait, je voulais faire du fromage et j'ai oublié. Et du coup, bah, on va perdre du lait dans la soirée. Je sais pas combien on va en perdre, mais ça fait un peu chier. C'est gâché. À mon avis, on va en perdre un paquet même. Je sais pas si ça se conserve bien. Parfait, il n'y a rien ou presque n'a été abîmé. C'est une super nouvelle. Bon là par contre on s'est fait gauler un fruit, c'est pas grave. Pendant donc que j'y pense, voilà, niveau fromage on est bien normalement.
Comment ça se passe? Ça progresse tout doucement. Ici, il va nous falloir du chanvre, mais alors vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de chanvre. Vraiment beaucoup, beaucoup. On va terminer cette matinée. Je pense. Ce sera bien. Ouais, non, mais ici, ça va... Ça va, il faut qu'on soigne les blessures de... Pas les blessures, la maladie. C'est le couple, là. Ah, merde. Alors, comment on va faire? On soigne eux deux. Du coup, c'est lui qui se retrouve là. Non. Non, non, définitivement pas. On va inverser. Toi, t'es là. C'est vraiment pas, vraiment, vraiment pas utile même. Il va couper du bois, elle explore, lui coupe du bois. Là, on cherche du chanvre. Il colle de l'eau. Alors là, ça sert à rien de se détendre. Elles deux, elles sont en forme. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir les envoyer faire? Elles sont pas... Chasser. Tomoe, couper, récupérer des pierres parce qu'on en a plus des pierres. On peut faire ça. Allez hop, c'est parti. Excellent. On se boit, parfait. Bon, les pierres évidemment, faut pas trop en demander. C'est très fatigant et pas très efficace pour quelqu'un qui ne le maîtrise pas le truc. Ici, on trouve un lac. On trouve un lac qui est pas d'emmerde, très très bonne nouvelle. C'est un coin de pêche, ok, bah c'est genre le truc qu'on a déjà vu 15 fois. Il reste pas des zones ici qu'on n'aurait pas déjà vu, non. On a vraiment vu tout le coin. Il y a ça là, je m'en suis jamais occupé encore. On va lui envoyer Moira, mais on va lui booster un peu les stats. Voilà. J'ai jamais osé m'approcher de la porte de la mort, mais en fait, la suite de la quête est peut-être dedans. Hein. Vous vous accroupissez et laissez vos doigts parcourir la rune. Vous réfléchissez. Vous reconnaissez Emwaz, la 13e rune, symbole de Lif, présage de mort et de renaissance. Ces portes seraient-elles l'entrée du royaume de Hel? Vous vous interrogez. Regardez la pierre. Cette pierre ressemble à n'importe quelle autre pierre, si ce n'est qu'elle comporte une rune gravée dessus. Vous placez vos mains autour d'elle et tentez de la soulever. Vous réalisez que vos mains deviennent froides et engourdies. Vous lâchez la pierre, elle redevient un peu à la normale. Ouch, ça pique. S'approcher de la porte. Alors s'approcher, c'est du courage. Vous montez les quelques marches pour atteindre le seuil. Chaque nouveau pas renforce votre inquiétude. Vous touchez les chaînes. La petite se brise instantanément et tombe au sol. La plus grande se desserre et glisse à terre. Vous vous figez. Sans que vous ne touchiez la porte, elle s'ouvre lentement devant vous. Vous sentez une présence de l'autre côté, mais ne distinguez rien. Vous ne pouvez vous empêcher de détourner le regard.
Une odeur de mort planait déjà avant que les portes ne s'ouvrent. Vous déglutissez. L'inquiétude nue votre estomac. Nous. Est-ce un défi lancé par les dieux? Après des efforts intenses, vous regardez le portail. À travers le portail, vous plissez des yeux et apercevez un cadavre. Il vient vers vous. Vous paniquez. Vous prenez aussitôt une posture défensive, mais il n'y a plus personne. Vous pourriez jurer d'avoir vu quelque chose de l'autre côté de ces portes. Vous faites le tour de la porte, mais vous ne trouvez rien. Chaque fois que vous essayez de regarder directement dans l'ouverture, pendant une fraction de seconde, vous jurez voir d'autres corps se rassembler. Puis vous clignez des yeux et plus rien. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer ça? Franchir la porte. Vous sentez que vous devez traverser le portail, mais allez-vous vraiment oser quitter le monde des vivants pour aller dans celui des morts? Qu'en est-il des créatures que vous avez aperçues? Vous savez que selon les légendes vikings, Hermod le courageux accomplit cet exploit afin de libérer le défunt Baldur de l'emprise de Hel, mais c'est un dieu et vous n'êtes qu'un mortel. Traversé par devant. Vous savez qu'il s'agit d'un défi lancé par les dieux. Vous prenez une grande inspiration, fermez vos yeux et courez à travers la porte. Votre corps s'écrase contre un mur froid. Il fait si froid que ça vous brûle. Vous ouvrez les yeux. Autour de vous, plusieurs squelettes. Ils portent les habits de vos compagnons. Sont-ils? Ils vous pointent du doigt. Vous vous regardez et vous rendez compte que vous êtes également un cadavre. Sous le choc, vous perdez connaissance. Lorsque vous vous réveillez, vous touchez vos bras et poussez un soupir de soulagement en sentant à nouveau de la chair. Mais vous ne voyez plus rien. Aveuglé. C'est avec un goût amer que vous vous souvenez de cette histoire. Durant 9 nuits, Hermod chevaucha pour entrer à Hel à travers des vallées si sombres et si profondes qu'il n'y voyait rien. Ok. Passer par derrière. Si ce côté appartient aux vivants, peut-être que l'autre est celui des morts. En gardant ça en tête, vous traversez le portail dans l'autre sens. L'atmosphère y est un peu plus rassurante. Vous prenez une grande inspiration, fermez vos yeux et courez à travers la porte. Votre corps s'écrase contre un mur de chaleur. Une fois ce mur traversé, vous avez la sensation d'être à nouveau dans l'utérus de votre mère. Vous pourriez y rester pour toujours. Mais une force se met à vous pousser en avant. Vous quittez la chaleur, vous commencez à manquer d'air. Vous prenez une grande inspiration. Vous avez mal, très mal. Vous sentez du liquide quitter vos poumons tandis qu'ils se remplissent d'air. Vous parvenez enfin à ouvrir les yeux, votre vue est floue, vous êtes sur le sol de l'autre côté de la porte désormais fermée. Puis vous remarquez la présence d'une petite perle au creux de votre main. Depuis combien de temps est-ce là? C'est tout? Je suis super déçu. Je m'attendais à un super truc et tout. Bon, bah je suis super déçu. Eh ben non, c'est pas encore aujourd'hui qu'on arrivera à faire cette quête. Bon, quoi qu'il en soit, l'épisode a largement trop duré, donc on arrête là. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye!